Hello, bonjour et bonsoir. C'est amis Paola Limbo. Bienvenue sur channel Limbo Ket Fin. Je dis à nous porter pour deuxième épisode montage pro. Pas oublier, objectif formation ça c'est aider à faire un montage vidéo professionnel sorti de A jusqu'à Z. Redouche. Avant que nous commencions, m'a invité à abonner à channel là si vous faites cap garder vidéo new. Et cliquez sur cette cloche là pour capable jouer une vidéo new à l'aide. Nous pas prétend, je dis à nous pour découvrir interface à définir 3 et apprendre éléments qui composent lieu. On a regardé sur écran. Yes, amis, me connais là nous sur interface Adobe Premiere 3. Nous m'a utilisé Adobe Premiere Pro System 2019. On s'attend bien Adobe Premiere Pro CS5, CS4. Moi-même, moi choisi d'utiliser Adobe Premiere Pro System 2019 là. M'a bien mon pour vidéo pour capable faire une comparaison entre Adobe Premiere Pro CC et Adobe Premiere Pro CS. OK, amis. OK. Là, on a regardé, nous capable remarquer que gagne en barre de menu en dedans qui gagne file edit clip séquence markers graphics windows help. Mais je dis on a considéré file. File en anglais en français qui veut dire fichier. Maintenant, je dis nous allons apprendre créer un nouveau projet sous Adobe Premiere Pro. Pour ça, on va aller dans file, new qui veut dire nouveauté, nous sommes déjà dans nouveau. Et puis, on va cliquer sur project. Maintenant, on va regarder name, on va nouveau projet, nous avons name là c'est nom que m'a bail projet moi. Imaginons que m'a travaille pour une compagnie. Un exemple, m'a travaille pour Brassi la couronne, moi capable mettre en lien là Brassi la couronne projet. Maintenant, location ou bien lieu. Maintenant, location là c'est espace que m'a capable moi pour le projet moi. C'est qui côté que m'a intégrer projet moi. Est-ce que m'a intégrer projet moi en dans my document ou bien en dans un backup. Si c'est sur un backup, on va parler sur un local disk. OK, si c'est pas sur un backup que m'a save li et laisse moi gagner sur cette machine là et puis moi juste bali yon non. OK, maintenant general. En général, il est toujours mieux pour quitter vidéo pour quitter au même genre audio samples ou quitter au même genre sauf na capture là gagne DV et puis HDV. DV c'est des caméras qui longtemps nous capable dire c'est un sorte de résolution format, un sorte de format qui est capable de capter vidéo. Maintenant de nos jours il y a plus côté caméra nous plus HD ou bien HDV. OK, parce que écran télévision que nous gagnons on y a plus en HD et ça fait on va parler de câble HDMI, on va faire une vidéo sur tout ça. Maintenant ici nous avons remarqué display the project items name and label colors for all instances. Ti kaza, lorsque moi coché li bon possibilité nan chaque clip que moi gagne m'a ajouter m'a capable identifier avec des couleurs. Si moi pas activé les m'a travaille tout clip moi a bien même couleur. Mais si moi activé moi gagne possibilité pour m'ba chaque clip moi. Imagine que c'est m'a travaille une vidéo. Je connais clip ça son clip machinier et ben si me gagne l'autre clip qui c'est moto et même capable bail clip machine en couleur vert et puis clip moto moi capable bail en couleur jaune bleu blanc etc. Parce que nous comprendre nous c'est projet nous nous servir dans my document ou bien dans document et puis nous juste quitter avec nous ca ballon non. Nous allons
Ré. Nous allons le Ré. Un exemple. Ok, et puis nous faisons OK. Ok, amis, moi, on a là. Et fichier moi, li créé. Et nous avons gardé en l'air, nous sommes capables de marquer que. Nous avons marqué C, slash users, slash L, slash document, et puis slash Ré. Ça veut dire Ré, c'est nom que nous avons à projet noir. Maintenant, nous sommes capables de marquer. Nous avons marqué que nous avons gagné 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres. Ok? OK, ou du moins moi mettre en façon pour que vous compreniez après que nous gagne 1 2 3 4 fenêtres. Maintenant, première fenêtre ça, il est le canvas. Viewer, mais en créole, on a dit il est écran. Écran 1, écran 2, séquence de travail et puis projet. OK, séquence de travail et puis projet. Maintenant, qui wall écran 1 pour ça nous le canvas 1 il permet moi ou bien bonne possibilité image que moi filmer soit sur téléphone moi ou bien sur caméra moi pour que moi capable ajouter là et prendre partie qui bon et venir ajouter dans séquence là là. Maintenant séquence en lui-même li lié avec canvas 2 ou bien écran 2, c'est écran 2 qui permet de voir ça qui est dans la séquence. Nan. Ça veut dire, on va dire que séquence, on travail de séquence ça, plus canvas 2 ou bien viewer 2 ou bien écran, yo lié. Ok? Yo lié. Maintenant, ça li même li indépendant. Ça li même, écran ça li indépendant. Li bon possibilité. Pour que moi capable prendre vidéo maintenant nettoyer. Pour ça, nous allons faire une petite démonstration là pour capable comprendre quatre interfaces ça yo. Pour on dit ça les canvas 1, canvas 2, séquence et puis projet de travail. Maintenant, mes vidéo ça là. OK. Na playlist. Maintenant, moi veux prendre partie. OK, on veut prendre parti, me dit bon OK, avant que en demoiselle là li descend tête li, mais ça m'a fait, m'a choisi parti ça. Et puis moi just drag il. OK, moi juste drag il. Ça nous fait pas remarquer. Nous remarquer que l'élément que nous draguons là, il paraît dans canvas 2. OK? Ça veut dire séquence de travail moi, il vient créer et puis moi vient gagner canvas 2. C'est là n'a camper avec rubrique nous aujourd'hui. Jodi nous te parler, nous te montrer qui gens qui capable créer un nouveau projet sous Adobe Premiere Pro. Pas oublier notre épisode n'a bien pour nous qui sont capables de créer une séquence qui professionnelle. À vous même qui t'a regardé nous, pas oublier abonner avec Chanel là. Bye bye.